15 secondes. Alors qu'on amorce le virage. Pour surveiller les embarcations à l'extérieur, on en prend très large. Est-ce que le départ sera bon? Semble que oui, le premier, c'est Michel Raymond, mais surveillé à l'extérieur, Doré et Villauer. Mathieu Lemelin, lui, qui était 5 secondes à l'arrière. Louis Allard, 10, donc pour eux. Mauvais départ, mais Raymond, regardez la machine, là, on l'a vu tout le week-end. Avoir de bonnes vitesses de pointe. Et à l'arrière, on retrouve... Est-ce que c'est Sylvain Doré et François Dumouchel? On entreprend le virage numéro 2. Raymond. On colle les bouées. Corridor intérieur. À l'arrière, on voit rugir. Doré et Dumouchel. Mais Dumouchel, lui, est loin et déporté. Et non, c'est pas Doré, c'est Michael Tremblay. Michael Tremblay et Doré. Dulude, Dumouchel, Villauer, Lemelin et alors suivre dans l'ordre. Alors c'est Michael Tremblay, bon deuxième dans le last minute again. Raymond, loin devant. Dulude en accélération. Tente de rejoindre Edoré et Tremblay. On sait que seul le gagnant poursuit sa route en finale. On est dans le virage numéro 2. Raymond qui profite d'un plan d'eau splendide, sans vagues, alors qu'à l'arrière, c'est un peu plus tumultueux. On voit Tremblay effectuer quelques sauts de crapaud dans le virage. On est à mi-parcours pour Michel Raymond. Tremblay, Doré, Dulude, Dumouchel sont à l'arrière. Doré en pleine accélération du corridor extérieur. Et Michel Raymond qui nous démontre de belles aptitudes de pilotage. Fait figure des plus rapides ici ce week-end. Donc à l'arrière, Michael Tremblay qui lui en est à son première saison en Hydro 350. Alors Raymond va lui présenter le drapeau blanc. Plus qu'un tour à faire. À l'arrière, on a Tremblay. Et on a Doré, c'est très serré. Doré qui a légère avance sur son opposant. Dulude, Dumouchel, Villauer. On vient d'entreprendre le virage numéro 1 du troisième tour. C'est fait pour Raymond. On est devant le parc Sacré-Cœur. On poursuit la route. OK fédéral, un demi-parcours à faire pour Michel Raymond. À l'air, Doré, Tremblay et Dulude. On entreprend le dernier virage pour l'embarcation M2K Racing. C'est bien fait. Et là, on appuie sur l'accélérateur. On va lui présenter le drapeau à damier. Il s'en va en finale. Le H71, Michel Raymond, vainqueur de la finale consolation devant Sylvain Doré. Michael Tremblay et Bertrand Dulude dans l'ordre. Dumouchel qui lui réussit à devancer Villauer, Lemelin et Allard. Donc Michel Raymond, le M2K Racing H71 qui se qualifie pour la finale. Belle performance pour le pilote de la région de Valleyfield.